Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Teamfight Tactics. Et aujourd'hui, on va parler du 7-10 et comment l'apprendre et le mémoriser. Alors bien évidemment, l'une des meilleures façons de progresser à TFT, c'est d'y jouer, mais on peut quand même, dans certains moments, quand on ne peut pas jouer aussi et qu'on cherche à progresser rapidement, essayer de se faire des fiches de mémorisation recto verso. J'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait une bonne partie. L'avantage, c'est que de petits tutos pour ceux qui n'ont jamais joué à TFT, bah vous allez devoir apprendre les items. Pour ceux qui ont joué au set précédent, donc au set 9 et au set 9.5, les items n'ont pas trop changé, donc ça fait ça de moins à apprendre. Aussi, des choses qui sont importantes à comprendre, c'est que sur ce 7-10, vous n'avez pas au début de la partie, avant même que la game commence, de choisir une légende. Il n'y a pas de légende dans le 7-10. Donc il y a un petit peu plus de facilité pour l'avant-game, mais pour le reste, s'il y a des mécaniques qui ont été ajoutées, comme la mécanique d'élu qui est de retour, headliner en anglais, qui est une mécanique assez intéressante, qui fait que vous avez dans le shop, si vous n'avez pas de headliner sur le board, un headliner qui va être à chaque refresh de shop, et le headliner est directement une unité 2 étoiles, et qui va tout simplement être plus solide, parce que au lieu d'avoir, et surtout il y aura son bonus de headliner, qui sera disponible. Il y a un bonus de headliner pour tous les personnages. Tous les personnages du set peuvent être élus ou peuvent être headliner dans ce set. Alors, pour faire simple, on va commencer par le commencement. La chose la plus importante à retenir dans le set, c'est qui fait partie de quelle famille et de quelle classe. Donc pour cela, vous avez tout simplement ce petit site qui est déjà à jour, parce qu'il y a plein de sites qui sont toujours sur le 7.9.5, puisque c'est ce qu'on peut jouer sur le live, et sur le PBE qui est donc disponible depuis hier. J'ai fait 3 parties hier soir. J'ai pas encore trop joué, parce que vous savez que je suis multigaming sur cette chaîne, donc c'est pas forcément facile d'apprendre tout par cœur et de jouer pendant 10 heures d'affilée. Forcément, on apprend le jeu beaucoup plus vite. Tout simplement ce set qui est disponible pendant 2 semaines sur le PBE. Donc pas de panique. On a 2 semaines pour apprendre le set, pour se familiariser, pour être relativement confiant quand le set sort sur l'officiel et être prêt à connaître un peu les combos, les synergies, etc. etc. Bien sûr, il va y avoir des retravails, c'est-à-dire des patch notes qui vont avoir lieu au cours de ce set PBE et sans doute après la release. Donc il ne faut pas tout ancrer dans le marbre. Il y aura des changements comme par exemple Lulu est trop puissante, Yasuo est trop puissant. Il risque sans doute d'être réajusté. Le but ici, c'est vraiment d'apprendre, de tester le PBE, de faire plein de games différentes. Normalement, les débuts des games vont commencer demain. Là, aujourd'hui, c'est une vidéo d'apprentissage du set. Donc comment je fais mes fiches? Pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, si vous êtes là, c'est pour ça. Donc comment je fais mes fiches? Donc j'utilise déjà pas mal de choses. Ça vient d'une tête bien faite. C'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années qui permet d'apprendre. C'est en gros comment apprendre à apprendre. Ça s'utilise bien évidemment dans d'autres domaines que TFT. Ça s'utilise dans tous les domaines d'apprentissage, de vocabulaire par exemple pour l'anglais, de mémorisation de dates d'histoire, etc., etc. Ça peut se servir pour pas mal de choses, pour les capitales du monde, etc., etc. Donc on commence par, si vous voulez apprendre les capitales du monde, vous allez mettre le pays d'un côté et de l'autre la capitale. Et comme ça, vous mémorisez. Le but de ce travail de mémorisation, c'est qu'il faut apprendre l'information dans les deux sens. Puisqu'en fait, si je vous dis pensez à un singe dans votre tête, toutes les personnes dans cette vidéo n'auront pas le même singe. Il y en a qui vont voir le singe dans un singe réaliste, d'autres qui vont voir un singe dans un dessin animé, d'autres qui vont voir un gorille, d'autres qui vont voir un orang-outan, d'autres qui vont voir un chimpanzé, etc. etc. On ne va pas voir la même image. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pensez à d'autres choses, et là, direct, vous allez avoir d'autres images qui vont arriver. Et en fait, on peut schématiser cette image comme un lien entre ces deux images. Et donc, le but de ces petites fiches, c'est de faire des liens entre chaque truc, de faire que Yorick soit attaché à Sap, à Olaf, parce qu'ils sont tous les deux pentakill, etc., etc. Notez que Yorick est une légende qui sera donc rattachée à Ilaoi, qui sera donc rattachée à Sona. En fait, notre cerveau fonctionne comme ça, c'est des petits, c'est une information qui a plein de petites liens entre les autres. Et donc pour cela, la meilleure façon, c'est d'apprendre la fiche des deux côtés.
Parce que souvent, en fait, il faut imaginer que la mémoire, ça se crée, c'est une forêt amazonienne, et en fait, on va couper, on va faire le lien, et entre les deux informations, il y a une forêt amazonienne, donc on va la couper à coups de machette, et en fait, tous les jours, ça repousse, tous les jours, ça repousse, donc il faut essayer d'avoir l'information dans les deux sens pour pouvoir faire une route double voie et apprendre l'information plus facilement. Donc, par exemple, si vous devez faire les capitales, comme on a dit, vous faites un pays d'un côté et la capitale de l'autre. Et par exemple, la première fois que vous lisez l'information, si vous décidez de lire vos fiches deux fois par jour, vous lisez la fiche d'un côté, du côté capitale, et vous essayez de trouver le pays. Et la fois où vous l'avez lu, si vous n'avez pas l'information, si vous ne l'avez pas retenu, vous la mettez de toute façon de l'autre côté pour que la prochaine fois que vous visualisez l'information, ça soit dans l'autre sens. Et vous verrez, parfois, vous retenez une information plus facile dans un sens que dans l'autre. Exemple typique dans des mémorisations de cartes dans TFT, c'est le fait de retenir plus facilement ce côté-là. Olaf, Keil, Gnar, Viego, Mordekaiser, Yorick et Olaf en premier, ce sont des pentakills. Ce sont bel et bien des pentakills. Voilà. C'est plus facile dans ce sens-là que de dire « je suis devant Pentakill, entre parenthèses 7, et là, il faut que je trouve les 7 Pentakill. » Donc, vous voyez, bah là, je viens de le lire, donc c'est facile, hein, Olaf, Keil, machin. Mais, bien évidemment, si je la lis dans une heure, elle est beaucoup plus facile à comprendre dans un sens, parce qu'il suffit juste que je sache que Olaf et Yorick soient des Pentakill pour me dire bah, « c'est forcément Pentakill, parce que Yorick et Olaf sont Pentakill. » Et j'ai la flemme d'apprendre les autres. Et le fait de la lire dans l'autre sens me forcera à apprendre ce que je connais pas. Voilà, voilà. La grosse difficulté de ce set, ça me rappelle aussi le set 2 de TFT, parce que j'avais beaucoup joué au set 1, et le set 2, j'étais arrivé devant des personnages qui avaient plein de skins. Et aussi, la difficulté de ce set 10, c'est d'apprendre les skins, de savoir que ça, c'est Corki, de savoir que ça, c'est Vex. Bon, ça, c'est l'apparence de Vex normale, mais ça, savoir que c'est Yone, etc., etc., bon, ça va s'apprendre avec le temps pour apprendre les cartes. Mais c'est vraiment l'une des choses les plus difficiles, je trouve, parce que dans le set 9, en fait, c'était un très bon set pour débuter TFT, parce que c'était bah, Miss Fortune. Miss Fortune, c'est un pirate, c'est dans son lore, donc elle fait partie des pirates. Vous voyez, c'était beaucoup plus, on va dire, simple, là, de dire que si tu connais pas tous les skins du jeu, tu sais pas qu'Akali, c'est une KDA. Voilà, parce qu'à l'époque où étaient sortis les skins KDA, bah, Akali était l'une des têtes d'affiche. Donc, c'est vrai que si tu connais le League of Legends sur le bout des doigts, bah, t'as quand même un petit peu d'avantage. Mais sur ce set, c'est quasiment une remise à zéro, parce que bah, c'est pas si simple que ça de reconnaître tes trucs. Donc, comment j'ai mis ma fiche ? La fiche, donc, du côté où il y a l'information classique, vous voyez Pentakill, entre parenthèses, 7, avec 3, 5, 7, 10. 3, 5, 5, 10. Alors, 7, entre parenthèses, Pentakill, on met toujours le nombre de champions qu'il y a dans cette catégorie. Mais ensuite, c'est important de savoir combien sont au maximum ces catégories. Ce n'est pas forcément obligé de le retenir, mais c'est bien de l'avoir eu sous l'œil pour vous rappeler que Pentakill, ça se débloque à 3 personnages. Ensuite, c'est 5, ensuite, c'est 7, et ensuite, c'est pas 9, c'est 10. Donc, pour passer à 10 Pentakill, sachant qu'il n'y en a que 7, vous comprenez que c'est quasiment mission impossible. Mais voilà, voilà. Notez que le fait d'avoir un headliner rajoute un point dans une famille, donc ça permet d'aller beaucoup plus facilement vers des chiffres élevés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs où ça saute de 3. Ensuite, si vous avez envie, si vous n'avez pas peur d'apprendre énormément d'informations, vous pouvez mettre en dessous de 3, 5, 7, 10, ce que ça fait. C'est-à-dire, grosso merdo, en 2 ou 3 mots, faut réussir à dire ce que fait Pentakill. Donc, vous regardez la fiche Pentakill et vous regardez voilà, ce que fait Headsteel, par exemple. C'est gagne un cœur en tour des ennemis, voilà, etc. Et losing player au combat. Quand tu as perdu 4 combats de joueurs, tu gagnes un cœur qui te donne des powerful rewards, donc des rewards plus puissants. Voilà, voilà. Donc ça, c'est comme ça, tu peux l'apprendre. Bien sûr, tu peux le mettre au crayon à papier, parce que lors de la release du jeu, la release du PBE, ces stats vont changer, hein, bien évidemment. Mais donc, tu peux le mettre sans mettre les stats, juste savoir comment ça fonctionne. Et comme ça, tu auras une petite idée et tu apprendras le truc. De l'autre côté, on va utiliser un code couleur. D'ailleurs, pour utiliser ce code couleur, la meilleure façon pour moi, vous afficher ça, c'est plutôt d'enlever le fond vert. Parce que le fond vert, bien évidemment, ça nique le vert et les couleurs qui sont assez proches du vert. Donc, je vais aller tout simplement aller là et je vais aller dans ma caméra, faire filtre
et enlever le fond vert. Première fois que vous voyez le débilos sans son fond vert. Donc ici, vous voyez, j'ai une deuxième partie. Alors, il faut écrire petit. Et il y a beaucoup d'infos. Il y a beaucoup d'infos, mais c'est pour moi la meilleure façon. C'est long à apprendre, mais c'est très solide. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre les codes couleurs. Vous voyez que ici, sur votre page, vous avez Olaf. Vous avez Corki, pardon. Corki, ici, vous voyez, il y a écrit 1 dollar ici. Ça veut dire qu'il vaut, je ne sais pas pourquoi ils mettent le dollar d'abord, mais il vaut 1. Il vaut 1, donc c'est une unité de base. C'est, par exemple, ici, c'est une Riven, c'est 3. Dans le jeu, c'est codifié comme ça aussi. Les unités 1 sont grises, entourées de gris. Les unités 3 sont entourées de bleu. Les unités 2 sont entourées de vert. Les unités épiques, bon, ça, c'est dans tous les jeux, c'est violet. Et les unités légendaires ou les légendes, ici dans TFT, sont jaunes. Donc, on va utiliser le même code couleur parce que ton cerveau aura l'habitude que tu auras écrit Olaf en gris. Au bout d'un moment, si tu as un peu de visualisation, et tout le monde en a un petit peu de mémoire visuelle, tu vas te rappeler que Olaf, tu l'as toujours écrit en gris sur toutes tes cartes. Donc ça veut dire que c'est une unité 1. Que Ilaoi, c'est tout le temps une carte que tu as écrit en jaune, donc c'est une carte légendaire. À quoi ça sert ? Bah, ça permet d'aller légèrement plus vite. Parce que si tu dis, ah, je cherche une légende Patakil, bah, c'est Yorick. Parce que tu as écrit Yorick toujours en jaune. Donc, utiliser ce code couleur, c'est important. Moi, je prends des petits crayons de couleur que j'avais acheté pour quand mon neveu et ma nièce sont à la maison, quand ils étaient petits. Et voilà, voilà. Donc, j'écris ensuite l'information suivante. Tirer Olaf. Donc, Olaf, c'est la première unité. Et je mets toujours entre parenthèses ce qu'il est d'autre. Tout simplement parce que l'écrire, c'est toujours intéressant. Et ça permet au cerveau de mémoriser que Olaf, c'est peut-être un Pentakill, mais son deuxième truc, c'est un briseur. Que Kayle, c'est un Pentakill, mais qu'en deuxième, c'est Edgelord, etc., etc. Alors vous voyez, j'ai mis Edgelord, mais on pourrait mettre Edge. Comme Earth Steel, j'ai fini par mettre juste Earth. Pour Mosher, vous pouvez juste mettre Moche. M-O-C-A-S-H, puisque moins vous avez à retenir, c'est-à-dire vous savez très bien que les moches dans ce set TFT, c'est les mocheurs. Que vous avez que Edge, c'est Edgelord, que les Earth, c'est forcément Earth Steel, mais vous avez moins à mémoriser, donc vous arriverez plus facilement à l'apprendre. J'ai oublié de répondre à cette fameuse question. Pourquoi tu les apprends en anglais ? Les erreurs de trad. Les erreurs de trad arrivent dans beaucoup de jeux et c'est toujours plus intéressant d'aller chercher là où il y a énormément d'infos. Donc, jouer le jeu en anglais est mieux. Si vous avez vraiment du mal à apprendre des familles en anglais, apprenez-les en français. Vous pouvez faire les fiches en français, il suffit juste de trouver les informations en français de ce set. C'est tout à fait trouvable sur internet, n'hésitez pas. Mais moi, je vous le conseille de les apprendre en anglais. Ça permet d'être plus cosmopolite et de comprendre plus facilement plein de streamers différents, plein de youtubeurs différents, d'être toujours au taquet et de pas galérer. Ça va, je suis pas bilingue, mais je suis capable de comprendre un patch en anglais dans n'importe quel jeu et de comprendre à peu près les jeux, comment il se déroule en anglais. Donc c'est un bon moyen aussi de progresser en anglais, donc vous voyez le côté positif là-dessus. Ensuite, on a mis Kayle en vert, alors c'est du vert, hein. Et on a mis Gnar en vert également, et on a mis également que Kayle c'était Edgelord, et Gnar c'était Mosher et Superfan. Donc vous notez que Gnar, bah, c'est une unité 3 traits. C'est extrêmement important de les retenir, et on verra qu'on aura fait une fiche spécialement pour ça. Ensuite, on met Viego, ensuite on met Karthus. Alors l'important, c'est de pouvoir vous lire, hein. Vous me direz, j'arrive pas à lire, c'est normal, bah, c'est écrit avec un feutre, hein, donc c'est pas forcément facile. On voit bien que mon écriture est mieux sur le bleu, parce que le feutre est plus fin. Et Yorick, enfin, c'est un, on le voit ici, un Guardian et un Mosher. Donc Yorick est 3 traits, il est Gardien, Mosher et Pentakill. Donc ça, c'est la carte Pentakill. Vous faites toutes les cartes, c'est simple, vous lisez ici et vous les faites toutes. Vous les faites toujours, vous essayez toujours de le faire par ordre alphabétique et vous essayez toujours de le faire de là, du gris au vert, au bleu, au violet, au jaune, dans cet ordre-là pour que votre cerveau s'habitue. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, là on a EDM, c'est exactement la même carte, vous voyez j'en ai 4, là c'est beaucoup plus facile, 4 à retenir, c'est Jax, Lux, Zac et Zed. Alors là, on a un moyen mnémotechnique. Il y a un moyen mnémotechnique qui est de se dire on pourrait mettre en dessous de EDM, ça c'est à vous de voir si vous voulez vous les ajouter, c'est les moyens mnémotechniques, vous voyez que c'est que des persos à 3 lettres. Donc vous pouvez mettre ici, si vous voulez de ce côté-là, EDM 4 3L. Pour que vous utilisiez
c'est que des trois lettres. Donc 3L, parce que c'est court, il faut faire toujours très court, parce que le moins d'informations à retenir, c'est juste que votre cerveau se rappellera que si vous mettez 3L, si vous utilisez toujours ce code de mémorisation dans vos cours, quand vous mettez 3L, bah, ça veut dire que c'est des persos qui ont en général 3 lettres. Si vous mettez 3-4 lettres, bah, ça veut dire que c'est des persos à 3 ou 4 lettres, maximum. Et c'est là que vous voyez que bah, finalement, si tu mets le 3L devant, et bah, c'est très facile à retenir que c'est Zach, Lux, Zach et Zeud. Et Z, si vous les connaissez, les persos de League of Legends, bien évidemment, ça aide plus si vous les connaissez pas de base, de toute façon, ça changera pas grand chose, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo. C'est toujours très intéressant, vous allez me dire, d'essayer de trouver. C'est pour ça que les fiches, on peut pas forcément les copier d'une personne à l'autre, les fiches et les travaux de mémorisation, pour la simple et bonne raison qu'on remémorise tous de façon un peu différente. Il faut trouver ses propres astuces. Hein, y a des, vous allez me dire, Iker, mais où est donc Ornicar? On le connaît quasiment tous, parce que bah, c'est une phrase. Et les conjonctions de coordination, on les a pris comme ça. C'est quasiment la seule règle de grammaire que j'ai retenue. Enfin, je sais écrire, hein, mais c'est vraiment une règle, quoi. Et donc, on la retient. Pourquoi? Parce que c'est mémotechnique. Donc, si vous trouvez des moyens mémotechniques, ajoutez-les. Vous n'êtes pas obligé de copier ma fiche parfaitement. Si vous trouvez des moyens, des raccourcis pour vous, n'hésitez pas d'ailleurs à les partager en commentaire. Ça peut toujours être utile pour les autres. Une fois qu'on a vu ça, maintenant, on va voir les objets. Donc les objets, donc là on va dire que vous avez fait toutes les fiches des familles, vous allez voir il y en a pas mal à faire et vous les lisez 2-3 fois par jour et vous faites une ou deux games. Mais vous ne devez pas, ce qui est très important et ce que j'explique souvent avec mon neveu et ma nièce, c'est vous ne devez pas rester sur votre fiche 3 siècles, vous devez la lire rapidement. Surtout si c'est des fiches qui ont peu d'informations, hein. Pour les capitales c'est très facile, vous la lisez, vous allez liser 3 fois par jour à intervalle de 5 ou 6 heures et vous finirez, ça finit par rentrer. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rester devant sa fiche et dire Jax, Luke, Zach, Zed, et se faire chier à essayer de les apprendre. En fait, non, il faut les visualiser et les lire. Si vous les lisez à toute voix, d'ailleurs, c'est mieux, parce que ça fait travailler aussi la mémoire auditive. Mais bon, voilà, si vous les lisez à toute voix, moi, je sais que quand j'étais petit et que le seul cours où j'étais pas très bon à l'école, mais le seul cours que je me forçais à apprendre, où je me suis forcé à apprendre, je crois que c'était en 4e, 3e, 5e, je m'amusais à apprendre mes cours d'histoire par cœur. Pour ce qui explique après ma meilleure note au bac, c'est en histoire, mais voilà, parce que, et après j'ai fait des études d'histoire parce que ça me plaît beaucoup, mais voilà, donc c'était un, et il faut savoir que quand je faisais mes cours d'histoire, je lisais, j'avais une table, je m'y asseyais pas et je marchais dans la pièce et je lisais mon cours comme ça en marchant. Donc chacun apprend de façon différente, hein. Il y en a qui aiment bien apprendre en restant assis comme ça et moi j'aime bien bouger en même temps. Peut-être mon côté hyperactif, mais voilà. Et donc là, on va passer bien évidemment aux items. Les items, c'est aussi une chose très très importante à apprendre sur ce set. Et vous noterez que vous aurez le lien de ce site sur, bien évidemment, dans la description, qui vous aidera à faire ça. Ça, c'est excellent, excellent. Parce que bien évidemment, Négatron plus Négatron, ça fait 10 clos. Et voilà, vous allez tester un petit peu votre mémoire. Ça plus ça passe, ça fait Deadblade, etc., etc. En gros, ça, c'est un bon moyen de vous tester. Autre que faire les fiches, vous faites les fiches bien évidemment si vous avez envie de les faire. Et vous avez bien sûr aussi l'endroit ici qui vous présente tous les items qu'il y a. Pour ceux qui paniquent et se disent « Ah, j'ai appris le 7-9, il y a énormément de choses qui ont changé. » Non, il y a juste le clo-clo qui a changé, le arc-arc qui a changé. Bon, j'appelle ça arc-arc, moi, parce que c'est un moyen mnémotechnique. C'est un arc, donc arc-arc, ça fait red buff. Et sinon, ce qui a changé, bien évidemment, c'est les emblèmes. Il va falloir les apprendre par cœur. Donc, il y en a qui sont assez mnémotechniques. Les emo, c'est Mush Rebelle, pleure et triste. Le punk, c'est alors c'est pas un move, c'est pas un signe de punk ça, mais c'est plutôt un signe de rock, mais c'est pas grave. Mais par contre, ils ont ajouté le côté punk, j'ai remarqué, c'est qu'ils ont mis le bracelet avec des pics là. Ça fait punk en effet. KDA, bah, c'est un V et un truc, mais en fait, on regarde, ça ressemble un peu à un K, donc c'est un K. Le logo Pentakill, c'est bien évidemment des rockers à la base, des skins Pentakill, donc ils ont mis le diable. Le 8-bit, bah, c'est ils ont mis un stick. Donc voilà, il y a des moyens mnémotechniques de retenir, vous voyez, en visualisant. Le jazz, bah, c'est un saxophone, etc. Donc ils ont réussi plutôt bien à faire les trucs. Après, de savoir ce qu'il faut pour faire les trucs, c'est plus dur. Mais déjà, apprendre les Heart Steel, c'est bien évidemment le cœur comme ça. Voilà, il faut ensuite mémoriser bien sûr ce que c'est. C'est assez facile. Pour le punk, c'est le gant. Pour le pentakill, c'est l'armure. Bon là il n'y a pas de logique mathématique. Le 8 bits c'est l'arc. Oui, pas de logique non plus ici. Voilà. Donc il faut essayer de les mémoriser. Et comment moi je l'ai fait,
Je l'ai fait en utilisant des trucs mnémotechniques, donc je mets écrit spat plus ceinture. Alors dans la version 7.9, je complexifiais ma carte en mettant en dessous ce que faisait une ceinture de base. Ça ajoute des PV. Bon voilà, il suffit de le savoir, connaître la valeur par cœur de combien ça ajoute de PV. Ça sert pas forcément à grand chose, mais savoir à quoi ça sert, c'est sûr, c'est important. Il faut connaître les items. Mais moi, comme je les ai appris set précédent, je sais que Ionic Spark, vous pouvez par exemple, ouais, Ionic Spark en moyen mnémotechnique, vous pouvez l'appeler YES. Ben, vous faites une abréviation. C'est bien évidemment, ça shred les résistances à 2x, donc ça veut dire que ça retire une partie des résistances magiques. Voilà. Et vous avez encore un autre truc qui a été modifié ici. Ah, j'avais pas vu. Le Sekhmet Heart. Il y a aussi un truc ici qui a été modifié, j'avais pas vu, qui est là. Donc bref, pour les spats, bah moi je fais spat, je mets spat plus ceinture, et ensuite je mets de l'autre côté le Heart Steel emblème, et je fais le logo. Alors mon logo il est dégueulasse parce que je suis pas un dessinateur professionnel, je suis même une merde en dessin, donc j'ai fait un Heart Steel, voilà j'ai fait ça. Là si vous voulez voir ma capacité à dessiner de manière incroyable. Ah non, je vais pas vous montrer mon stick arcade, il est raté. Mon emo, je vais vous montrer mon petit dessin de emo, il est là. Donc il est dégueulasse, hein. C'est une mèche rebelle avec un œil et un truc triste. L'important, c'est que vous vous en foutez, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans le mind mapping et dans ces petites fiches. C'est vous-même qui dessinez. Si vous avez une imprimante et que vous voulez copier le truc, en fait, votre cerveau mémorisera plus si c'est vous qui l'avez fait, même si c'est dégueulasse. Il faut quand même que ça ressemble un petit peu au logo de base. Mais si ça ressemble pas parfaitement, mais c'est mieux de le faire soi-même. Si on conseille de jour de le faire soi-même. Le KDR emblème, vous voyez, mon cas, il est dégueulasse. Voilà. Mais bref. L'important, c'est de les faire soi. Donc voilà, et une fois que vous avez lu vos fiches, bah, vous pouvez vous entraîner à ici. Par exemple, armure plus armure, c'est Brumble Vest. Là, c'est Warmog. Voilà, enfin, au bout d'un moment, vous les connaîtrez à peu près tous. Voilà, et vous testez, ça c'est Titan. Et ça fonctionne à peu près pareil qu'avant. Donc pour le set précédent. Et là, vous les mémorisez si besoin. Mais par exemple, vous voyez, ça ajoute 10 d'attaque speed, 20 d'armure. Ça, dans mes fiches précédentes, je m'étais habitué à mettre en dessous de arc et trouver des moyens mnémotechniques. Donc, moi, j'appelle ça Négatron. Voilà, j'appelle ça Négatron. Ça, je l'appelle arc, c'est très court. Ça, je l'appelle gant, c'est très court aussi. Voilà, ça, je l'appelle GB, donc grosse baguette. Voilà, parce que normalement ça s'appelle baguette trop grosse, mais j'appelle GB. Voilà, vous pouvez trouver ça, je l'appelle BF. Parce qu'en français ça doit être un nom interminable. Je l'appelle BF et bien évidemment BF plus Négatron ça fait BT, donc je l'appelle directement BT, je l'appelle pas Blue Tree Trust. Donc ça s'appelle comment en français? Forge de sang, non pas Forge de sang, c'est je sais plus quoi de sang. Voilà. Et donc voilà, ça c'est des trucs parce que bah, quand t'as joué à LoL, tu sais que ça fait une BT et tu sais à quoi sert à peu près une BT, même si la BT se fait pas pareil dans TFT, puisque BT c'est plus un item de sang. Oui, ça doit être soif de sang en français. Et ça donne de l'omnivamp, etc. Ça se met plus sur un frontliner que sur un carry, on le rappellera jamais assez. Voili voilou, comment apprendre les traits, comment apprendre les trucs. Et je vais terminer par deux petites fiches que je vous conseille de faire aussi, qui sont deux petites fiches. Alors, vous pourrez les multiplier, hein, si vous avez envie d'en faire. Vous pouvez bien évidemment faire des fiches rattachées à un personnage. C'est-à-dire, vous pouvez faire une fiche d'un personnage. Ce que je ferai, moi, à quelques jours de la release, je pense que je ferai les 7 des personnages les plus puissants, les personnages où on a tendance à mettre des items. Et en dessous de la fiche, bah, vous mettez du côté le nom du personnage, et de l'autre côté, vous mettez ses traits. Et en dessous du nom du personnage, vous mettez les items qu'on a tendance à faire sur ce personnage. Un peu comme on aurait pu faire pour le 7-9, Nico, on lui met une BT, on lui met une couronne et on lui met encore un autre item derrière si on avait envie, à l'époque de la méta Nico. Donc voilà, c'est en gros, vous mettez les items qui synergisent bien avec le personnage, qui sont vraiment considérés comme étant les plus forts sur le personnage. Ça peut être utile, ça peut être intéressant de faire des fiches personnelles. Parce que ça permet de voir l'information plus facilement et voilà. Donc si vous voulez faire chaque set de chaque perso personnel, c'est également très très bon. Mais le problème, c'est que si vous faites que les... Vous dites, oh, moi les fiches de traits là où il y a trop de trucs, je vais faire les fiches de chaque perso. Oh, le problème, c'est qu'en faisant les chaque personnage, ça sera quand même difficile dans votre cerveau d'aller chercher, de me dire, si vous faites une fiche Yorick, une fiche Olaf, une fiche Kayle, une fiche... De dire, ah voilà, les pentakills, c'est ça. Ça sera plus facile, il faut mieux faire les deux si vous voulez vraiment apprendre tout. Et ça va vous donner... Bon, ça va vous donner ça de carte. Mais la technique que je n'ai pas dit, c'est que...
une carte une fois que vous la connaissez par cœur. Mais c'est même pas vous chercher, hein. C'est vraiment ah oui, ça c'est ça. En fait, quand l'information vous vient instantanément, la carte, vous ne la regardez pas de la semaine. Vous la regarderez semaine prochaine. Les cartes que vous ne connaissez pas par cœur, vous la remettez au lendemain ou au surlendemain. Et une fois qu'une information, elle est vraiment, c'est tac-tac, bah c'est comme vous me dites négatron plus négatron, ça fait quoi équerre? Dix clos, j'ai plus besoin en fait. L'information, elle est vraiment instantanée. Vous n'avez plus besoin de reviser votre fiche. Donc en fait, vos fiches au départ, même si vous en avez un tas comme ça, petit à petit, ça fait ça. Et d'ailleurs, à l'école, si vous comptez faire les fiches, c'est très bien de commencer le premier jour des cours. Parce que au début, le premier cours d'anglais, bah, t'as pas vu 50 mots, par exemple, ou t'as pas vu 50 dates en histoire. Donc au début, tes fiches, elles font ça. Bien évidemment, si tu commences au bout de 6 mois, t'as ça de fiches d'histoire. Et donc tu dis, bah c'est pas possible, c'est nul comme technique, ça marche pas. En fait, c'est un gain de temps phénoménal, parce qu'en fait, ton cerveau, il va regarder l'info. Et en fait, c'est la grosse difficulté en cours. C'est une technique qui marche énormément parce que pour les cours. Parce qu'en fait, quand tu veux réviser ton cours d'histoire de septembre-octobre et que tu es en mai ou tu es en avril-mai, bah, tu t'en souviens plus du tout. Bah oui, parce que tu n'as pas fait les fiches. Mais imaginons, tu aurais fait les fiches, tu aurais revu l'information chaque semaine et au bout d'un moment, l'information, tu l'as tellement que tu la regardes tous les mois. Et en fait, cette fiche-là, tu l'aurais regardée que 5 fois. Et quand on te fait un cours en disant, ah, au fait, les prochains contrôles, c'est sur tout ce qu'on a vu de l'année. Et toi, tu es là. Et bien, quelqu'un qui a fait des fiches, il est là. Ouais, bah facile. Parce que l'information. Et en fait, ce qui est difficile à faire comprendre aux enfants et aux gens, c'est qu'en fait, c'est un gain de temps phénoménal. Parce que tu n'as plus besoin de déblayer la métaphore de la route. T'as vraiment fait une route béton armée, une autoroute, en plein milieu de la jungle. Et ce qui fait qu'en fait, bah, la jungle, elle ne peut pas repousser par-dessus. Et parce que tu as revu l'info, revu l'info, revu l'info. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on sait que la capitale de la France, c'est Paris. C'est parce que tu le vois beaucoup plus que la capitale de la Suède ou la capitale du Nicaragua, quoi. Du Nigeria, par exemple. Sauf si t'es nigérian, voilà, si d'origine, forcément, tu le vois énormément l'info. Mais en fait, c'est parce que vous voyez plus l'info pendant un certain laps de temps que vous l'oubliez, parce que la forêt est repassée dessus et l'information, voilà. Et c'est pour ça que des fois, vous faites, oh, tiens, je me souviens d'un truc, parce que ça s'est déblayé d'un coup, etc. Donc voilà, c'était petite technique. Donc, deux fiches que je vous conseille vraiment de faire, autre que les fiches personnages, c'est les fiches des unités à trois traits. Les unités à trois traits. Pourquoi les unités à trois traits? Parce que les unités à trois traits sont des unités de transition. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de te dire, putain, j'ai besoin, là j'aimerais bien partir sur Sentinelle, et bah, ou Heartsteel. Bah, si tu connais une unité qui est les synergies que tu as plus Heartsteel, et là hop, elle tombe et tu dis, ah, je cherche ça. Et en fait, il faut le savoir d'avance, quelles sont les unités à trois traits et quelles sont les unités de transition qui permettent beaucoup plus facilement de passer d'une comp à l'autre. Parce que quand vous voyez des bons joueurs passer d'une comp à l'autre, ils font pas de la magie. Et c'est souvent qu'ils savent quels sont les personnages qui permettent de passer d'une comp à l'autre. Donc les personnages qui permettent de passer d'une comp à l'autre sont Kennen, Lilia, Gnar, Gragas, toujours triés comme d'habitude d'unité 1 à unité 2 à unité 3 à unité 4 à unité 5. Où on a Kennen Lilia, Gnar Gragas, Yone, 7, c'est qui ça? Ekko et Nico. Et ensuite Akali. Et on termine par Yorick et Kayn, je crois. Ouais, Yorick et Kayn. Il y en a quelques-uns que j'ai mémorisés, mais je ne suis pas encore non plus au taquet. Donc ça, c'est les unités à trois traits qui permettent les transitions. Elles n'ont pas de famille en commun. Ça serait trop compliqué de mettre le nom, la famille en commun, etc. Bien évidemment, trop complexe. Donc on met juste ça. Parce que bien évidemment, normalement, avec vos fiches de personnages, vous savez très bien. Si vous faites les fiches de chaque personnage, vous savez très bien que Kennen, c'est tac-tac. Et donc là, vous savez que c'est une unité à trois traits. Et le fait de connaître, d'être capable de lister les unités à trois traits. D'ailleurs, j'ai oublié faut mettre entre parenthèses leur nombre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11. Donc unité à trois traits. Et j'ai oublié, vous mettez entre parenthèses 11. Pour que votre cerveau retiennent qu'il y en a 11 et vous allez les retenir et vous allez les apprendre dans l'ordre qui est écrit ici, c'est-à-dire du gris au jaune. Donc votre cerveau se rappellera que Olaf Kennen, ce sont des unités à 1.
Voilà. Et que. Non, Kennen Lilia. Kennen Lilia, c'est une unité à 1. Et que Kane Yorick, c'est une unité légende. Enfin bref, ça vous permet de mémoriser et de faire des différentes trajectoires de neurones pour retenir plus facilement. Et enfin, vous avez une carte que vous pouvez faire. Alors, vous pouvez toutes les faire si vous avez envie. Ce sont les cartes des unités légendes. On le sait, il y a pas mal de fois dans les 7. Et là, pareil, je vais mettre entre parenthèses combien il y en a. Et il y en a 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a que 7 unités légendes dans ce set, ça m'a surpris. Peut-être que je fais une erreur, mais je crois qu'il n'y en a que 7. Parce que d'habitude, il y en a plus. Hein. Donc 7 unités légendes, et vous voyez que bah, on les met tous en jaune pour retenir, et on le met par ordre alphabétique. Et je me rappelle, et vous allez voir que là, il y a une mémotechnie de dingue, c'est que c'est IJKL. IJKL, c'est dans l'ordre alphabétique. Ensuite, il y a une petite Kiana qui sera difficile à retenir pour le cerveau parce qu'il n'y a pas de moyen mnémotechnique. Et ensuite, c'est encore par ordre alphabétique, YZ. Donc, il suffit juste que vous rappelez qu'il y a JKL, YZ et vous allez les retenir beaucoup plus rapidement. Donc, c'est pour ça que le faire par ordre alphabétique vous permet de trouver des méthodes de mnémotechnie qui sont comme donc, mais où est donc Ornicar et qui permettent de retenir une information beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça qu'il existe, je crois, sur Internet, la chanson des éléments périodiques par ordre alphabétique. Je crois qu'il y a, des gens qui, des gens qui étaient à la fac qui ont fait cette chanson, qui est un peu cringe, hein, mais qui est rigolote parce qu'en fait, ils utilisent la mnémotechnie et c'est plus facile de retenir quelque chose quand on y ajoute du rythme ou de la mémoire ou une logique autre que la logique que ce soit. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est les cartes légendes. Bien évidemment, vous pouvez faire les cartes épiques, les cartes coup 3, les cartes coup 2. Et les cartes ou 1, si vous avez envie, ça vous aidera bien évidemment à y retenir, à y voir un petit peu plus clair. Je pense qu'on a fait le tour des informations, des cartes, etc. Donc, libre à vous hein, d'utiliser cette technique-là. En tout cas, je peux vous dire que c'est approuvé parce que j'ai appris le set 9, le set 9.5 comme ça. C'est vraiment très, 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 très pratique comme technique. Ça fonctionne. Et c'est, contrairement à ce qu'on pense, juste du travail sur les fiches. Les fiches, ça prend du temps à être fait, on est d'accord, parce que vous avez énormément de fiches. Là, c'est juste qu'on doit apprendre tellement de choses, mais que si vous l'utilisez pour les cours, ce genre de choses, vous verrez que vous aurez vos... En fait, vous allez me dire, Iker, est-ce qu'on mélange les fiches d'anglais et les fiches d'histoire? Oui, il faut que vous ayez un... Vous pouvez même d'ailleurs avoir un code couleur différent, c'est-à-dire que votre cerveau, que les fiches en vert, vous savez que c'est d'anglais, les fiches en rouge, c'est d'histoire, etc. Mais vous pouvez les mélanger, bien évidemment, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir l'information. Et vous allez me dire, mais Iker, on a une limite? Alors non, hein, on est humain, on a un disque dur assez phénoménal. Donc en fait, c'est juste qu'au début, ça va être difficile, mais plus vous apprenez de choses, plus vous allez en retenir en fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui connaissent. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient limités dans leur cerveau, juste c'est la flemme quoi. Non, je pense qu'on est tous capables d'apprendre assez facilement TFT, juste il faut prendre le temps. Vous me direz, Iker, moi j'apprends tout en jouant, et apprenez tout en jouant, mais laissez les autres apprendre autrement, et voilà, et c'est des méthodes qui ont fait leur galon et qui fonctionnent très bien. Et c'est une autre façon d'apprendre que ce qu'on nous fait faire, ce qu'on faisait faire quand j'étais à l'école, des fiches dégueulasses avec des trucs. Là, il y a de la mémotechnie parce qu'il y a de la mémotechnie, il y a d'utilisation du code couleur. Ça permet de mémoriser beaucoup plus vite que d'écrire juste sur une feuille de la même couleur. Olaf, Yorick, Kale, etc. Je vous jure qu'utiliser un code couleur, ça vous aidera énormément à progresser. Et je suis content d'avoir trouvé ce petit site qui vous permet à tous les débutants de réviser ça et ça, c'est Rabadon, etc. Et de voir les autres, et de les connaître. Ça, c'est quand même très très bon parce que parfois, on voit même des bons joueurs mettre un item sur un autre pour savoir ce que ça fait. C'est quand même assez hallucinant quand même. Mais bref, alors que ça devrait être su par cœur. Enfin, c'est su par cœur, su par ce genre de choses qui est pas du par cœur parce que tu t'es pas forcément efforcé, mais tu t'es entraîné quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour la première game du set 10 et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et puis n'hésitez pas à me dire, je sais qu'il y a mon neveu et ma nièce qui n'utilisent pas ces techniques, j'arrive pas à les faire rentrer dedans, mais il y a un viewer qui a un fils et qui a réussi à lui faire faire ses fiches et son fils il est très content parce que ça marche très bien. Donc sachez que c'est des méthodes qui fonctionnent bien, c'est juste faut arriver à trouver à la motivation pour les faire faire. Donc moi d'ailleurs je fais ces fiches là aussi pour d'une certaine manière motiver mon neveu et ma nièce à les faire parce que comme ça ils voient que je suis capable d'apprendre des informations tellement vite sans trop me fouler et ce qui est quand même assez puissant, assez pratique, c'est un peu un super pouvoir quoi. Allez bisous, ciao et à demain.